Shalom Uvracha, le passage pour le Chavav Nissan, le 26 Nissan. Vegam ki enod mutaguf, et bien qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas la ressemblance d'un corps, are adraba, donc bien, au contraire, bien plus, akol galui viadua lefanav, tout est révélé, connu devant lui, beyeter set leenketz, avec plus de puissance, plus de force, mireyat ha'ayin, Veshmiata ozen, que la vue provenant d'un œil, ou l'audition provenant donc de par l'oreille. Alder Machal, en tant qu'exemple. Raku Alder Machal, seulement là, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu est à l'exemple. Comment Adam ayodeo margish beatzmo? Comme une personne qui connaît, qui ressent en soi-même, kol machena asa, venifal, bechad, mikol ramach evarav, tout ce qui s'exerce et qui agit dans tous ces 248 membres, kmo, kor, ochom, comme par exemple le froid, le chaud, va filu chom, betziponer aglav, même le chaud qui est lié, qui réchauffe les ongles de ses doigts de pied. Alder machal, en tant qu'exemple, imichve baor, si la personne, par exemple, s'est brûlée de par le feu. Et de même, l'essence même, l'existence même, leur nature même, et tout ce qui s'exerce dans ses membres, yodea ou margish, il connaît, il ressent, mais mocho, cette connaissance est dans le cerveau. Ok, en yedi azo, à l'exemple de cette connaissance-là, alder, machal, en tant qu'exemple, car la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dépasse et est incomparable à la connaissance de l'être humain. Tout de même, c'est un exemple. Yodé Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu connaît kol anifal bechol anivraim elonim vetachtonim, tout ce qui s'exerce, tout ce qui s'agit dans les créations, les créatures supérieures et inférieures, liot kulam mushpaim imenu itbarach, car ils sont tous influencés de lui. L'existence du monde, de tous les mondes, de tout ce qui peut exister, provient d'Akadosh Baruch Hu, est une existence qui ne peut exister uniquement s'il y a une vitalité constante d'Akadosh Baruch Hu qui les fait exister, mais aïn leyesh, ce qui veut dire du néant à l'existant. Donc, du fait que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a connaissance de chaque détail. Donc, de lui béni, comme il est écrit, kimimcha akol, car tout provient de toi. Donc, étant donné que tout provient d'Hachem, donc Akadosh Baruch Hu ressent tout. Mais zeu shekatuv, gam kol ha'yetzur lo nichan emeka, comme ce qui est écrit, on le dit aussi dans la tfila, la création n'est pas cachée, n'est pas voilée de toi, ou kmo shekatav Rambam, comme le Rambam a écrit, v'iskimu lazeh chachmei Kabbalah, kmo shekatav Ramak bepardes, comme les chachmei, les sages de la Kabbalah, sont mis d'accord avec, comme le Rabbi Moshe de Cordoba a écrit dans le Pardes, shebidiat atzmo, que de par sa propre connaissance, kaviochol, en ainsi dire, yodea kol anivraim, il connaît toutes les créatures, animtsaim, habitat imotso, qui existent, qui n'existent uniquement de par la véracité de son existence, de choule, etc. Rak, shemachal ze, eno, elale shachecha ozen. Seulement que cet exemple-là nous est donné uniquement pour pouvoir nous faire comprendre, pour que l'oreille puisse entendre une chose qui est acceptable à l'oreille humaine. Aval behemet, mais véritablement, en amashal domel anim shalklal, l'exemple ne ressemble pas du tout à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Kinef esha adam, car l'âme de la personne afilu asechid vaelokit, même l'âme intellectuelle, l'âme divine, imit pael et imore aguf, elle, bien qu'elle est spirituelle, tout de même, elle est sensible aux circonstances du corps. Vetzaro et à sa souffrance, mechamat, itlapshuta, mamash, banef esha chionit, de par le fait qu'elle s'investit, l'âme divine s'investit, et l'âme intellectuelle s'investissent dans l'âme vitale, amelubesh et baguf mamash, donc cette âme vitale s'investit dans le corps. Donc elle est liée, tous ces âmes-là sont liées au corps. C'est pourquoi elles sont sensibles aux circonstances qui arrivent au corps. Voilà, Kadosh Baruch Hu. En omit pael chas de shalom, imore olam, mais le Saint béni, il est Kadosh Baruch Hu. N'est pas sensible, n'est pas sujet à être impressionné des circonstances du monde, vishinuyav, de ces changements, velo me'aolam atzmo, et non pas du même
du monde lui-même, chez Kula menam poalim bo shum shinui chas v'shalom, car tout ce qui peut exister, tous ces mondes n'agissent en lui aucun changement chas v'shalom. Vine, voici que dès là ce qu'ils aient besichlenu, pour comprendre ceci convenablement dans notre compréhension, kvar erichu chachmea emet besichrehem, les sages de la vérité ont déjà allongé, parlé longuement dans leur, de par leurs livres, leurs écrits, Arkol Israël, Maminim, Bne, Maminim. Tout de même, tout Israël ont la foi, ce sont les enfants de ceux qui avaient la foi, Blishum Hakirat Secheloshi, sans recherche intellectuelle, humaine. Veomrim, ils disent, Atawat Shonivra Olam Vchulu, toi tu es Akadosh Baruch Hu, avant que le monde fût créé, et toi tu es Akadosh Baruch Hu, le même, sans changement. Une fois que le monde a été créé, et les mondes ont été créés, donc bien que les mondes ont, depuis leur création, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de changements et beaucoup de niveaux, de différences, tout de même, tu es le même, rien n'a changé, car les mondes n'agissent aucun changement en Akadosh Baruch Hu, Nirtavel Perikrav, comme expliqué plus haut, 20e chapitre. Donc, de par cette méditation, la méditation qu'Akadosh Baruch Hu est là, Akadosh Baruch Hu est présent, et Akadosh Baruch Hu a une connaissance parfaite de tous les détails de la personne, de sa pensée, de sa parole, de tous les petits détails, la connaissance d'Hachem est là. Donc il suffit de méditer pour réveiller en soi la compréhension qu'Akadosh Baruch Hu est là, ressentir la divinité. Une fois qu'on a ressenti le roi des rois qui connaît tout et qui est présent, ceci amènera forcément, obligatoirement à la personne, une crainte d'Akadosh Baruch Hu, et de par ceci, sa avodat Hashem sera qualifiée de avodat de service.